moi, avec un lieu comme ça, on peut faire démarrer plein de choses, quoi. Puis j'ai toujours eu envie de permettre à des jeunes de démarrer. Je propose un lieu ouvert à tout ce qui est alternatif, hein, donc de la construction d'un mur en paille ou en terre, jusqu'à toutes les réflexions qui peuvent se faire au niveau spirituel. On demande toujours ouvert, ne pas fermer sur quelque chose, mais ouvert à tout ce qui peut exister d'alternatives, de nouveaux, tout ce qui peut faire avancer un petit peu notre monde bien fatigué. Je pense que tous les petits lieux améliorent le monde, et donc le mien, j'espère aussi, parce qu'on retrouve une relation, on humanise les relations, c'était toujours à échelle très humaine, mais on fait à petite taille, avec nos petits moyens, avec notre imagination, avec nos rêves, notre folie, voilà, et puis ça, moi je pense que ça fait rêver, parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici, ça les fait rêver, et puis à certains, ça donne envie aussi de faire quelque chose, de sortir de... il y a quand même pas mal de gens ici qui sont sortis de leur fonctionnariat ou je vois quoi. Ils disent, ah non, je ne peux plus, après ça, je ne peux plus retourner comme fonctionnaire. J'en ai vu qui, d'un mois à l'autre, ils ont écrit, ils ont dit, ça y est, je donne ma démission, j'en veux plus, qu'ils ont démarré autre chose. Ils choisissent quoi à la place? Ben, de créer quelque chose. Ils ont parfois du mal à voir quoi, mais parfois ils ont déjà une idée, d'autres fois ils cherchent, ils tâtonnent pendant un an ou deux, ils en bavent un peu, mais puis ils finissent par trouver quelque chose. Au début, c'était plutôt des choses concrètes, hein, donc faire des murs, apprendre à connaître les plantes sauvages, des réflexions sur la santé, sur l'alimentation. Et puis progressivement, ça a évolué vers plus de développement personnel, disons, et aussi plus de spiritualité. Là, depuis 2-3 ans, c'est net, hein, il y a beaucoup de demandes au niveau spirituel, quoi. Il vient surtout des gens qui se posent des questions, hein, qui sont déjà dans l'écologie, dans la biologie, dans d'autres formes d'éducation, des choses comme ça. C'est vrai que c'est principalement des personnes, mais il y a aussi des gens qui passent, qui viennent parce qu'ils voient bienvenue en passant par là, à pied, c'est chez le GR37, donc il y a pas mal de gens qui passent, donc, et qui rentrent, qui osent entrer, et puis qui me posent des questions. C'est vouloir évoluer, vouloir avancer, vouloir construire quelque chose de plus beau, à mon point de vue, de meilleur pour soi et pour les autres. Je pense que nous sommes des êtres sociaux et donc on peut se réaliser qu'avec les autres. Et c'est la société qui se fige dans un certain nombre de schémas. Le capitalisme, bien sûr. Mais aussi tout ce qui concerne l'individualisme, penser que le bonheur peut se faire tout ça, rien qu'avec soi, rien qu'autour de soi. J'ai acheté le lieu, c'est un terrain agricole, je n'avais pas prévu du tout. Hein. C'est quelqu'un qui m'a proposé ce lieu-là, qui a insisté, j'ai fini par le prendre, et puis j'ai dit maintenant il faut que j'en fasse quelque chose. Je ne peux pas le garder pour moi tout seul, ça n'a aucun sens. Progressivement, j'ai monté des structures avec des artisans, avec des bénévoles. Voilà. J'étais ouvert, j'avais quand même une idée devant moi qui était favoriser les alternatives, les initiatives. J'ai pas emprunté, j'ai jamais emprunté un sou à une banque. Jamais. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans emprunter. Non pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'ai fait appel à autre chose. L'argent, pour moi, c'est un bon moyen de se rendre service, quoi. À condition que ça soit un outil. Et un outil, ça ne fait pas de petit. Moi, je n'ai jamais demandé des sous à l'administration. Jamais. J'ai toujours été contre les subventions. Parce que moi, je veux garder ma liberté, mon indépendance, et puis montrer qu'on peut faire des choses sans tout ça. Les premières années, moi, j'avais ma retraite. Hein. Quand je suis arrivé ici, je venais juste d'avoir ma retraite, j'avais 64 ans. Et donc, moi, je n'avais pas besoin d'argent. Donc, je pouvais assumer plein de choses. Tout ce que j'ai construit ici, j'ai fait de ma poche. Hein. Je le mettais à disposition au début. Alors, les gens me disaient que c'était combien. J'ai dit, c'est ce que tu veux, c'est une participation libre. Hein. C'est à toi de voir selon ce que vous récoltez, selon vos moyens. Mais il n'y a pas de problème d'argent. Si on veut quelque chose qui est durable, qui perdure, eh bien,
Il faut quand même que les gens qui assurent ça puissent vivre, quoi. Ici, c'est un terrain agricole, donc j'ai le droit de rien faire. J'ai pas le droit de construire, j'ai pas le droit d'accueillir des gens. Je peux mettre des bêtes, et c'est tout. Je peux accueillir des bêtes, c'est tout. Mais j'ai pas le droit d'accueillir un troupeau de gens. Et j'ai pas le droit de construire ça, tout ça, c'est pas le droit. Il faut avoir l'autorisation, demander des permis de construire, tout ça. Bon, ben moi, depuis 30 ans, je tout ce que je fais dans les deux fermes que j'ai eues, ici pareil, je n'ai pas demandé de permis. J'ai fait selon ma conscience. Ma conscience me dit que c'est juste de faire ça, ça fait de mal à personne, au contraire, ça peut peut-être aider un peu. Je sais qu'il y a beaucoup, ça bloque énormément de gens, des gens qui ont des projets, etc., mais qui se butent aux administrations parce qu'ils n'osent pas démarrer tout seul, ils n'osent pas faire sans autorisation. Et ça, c'est une plaie, c'est vraiment, pour moi, c'est une plaie et qui est toujours vivante, d'autant plus que les administrations ont pris beaucoup de poids, ils s'introduisent de plus en plus dans la vie privée des gens. J'ai eu affaire à, je sais pas, ma différentes administrations, je sais pas, comme la DSV, par exemple, service vétérinaire, etc., d'autres administrations, la justice, tout ça, les gendarmes, plein de choses comme ça. J'ai toujours essayé de... j'ai dit, ben moi, je suis prêt à échanger, hein, moi, j'ai rien à cacher. J'échange, on verra ce qu'on... Voilà. Puis j'aurais pas dit non, moi, j'ai pas dit par la DSV, j'ai pas dit non, je veux pas vous voir... ce que vous voulez que je fasse, je ne ferai pas. Et de toute façon, non, j'aurais dit, ben, regardez ce qu'il y a, dites-moi ce que vous avez envie que je fasse. Quand ils m'ont tout dit, ben, j'ai dit, ben, oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord, je vous envoie les factures, et puis il n'y a pas de problème, quoi. ils me disent, non, ben, j'ai dit, moi, j'ai 12 personnes que j'accueille, ils seraient en hôpital psychiatrique ou en prison, ça vous doit. Mais par contre, si vous dites, s'il faut faire tout ça, je suis obligé de fermer, mais vous êtes responsable de ces 12 personnes. À vous de choisir. Oh ben, ils me disaient, ben non, si vous arrangez, faites au moins ça et ça. Ça, je veux bien, ça ne me coûte rien. Blanchir les murs, ça, je veux bien, ça ne coûte pas cher. Et puis, ben, après, 15 jours après, je les avais tous sur le marché à Rennes pour venir marcher les choses. Je sens qu'il y a peut-être moins d'intérêt pour le lieu ici. Alors qu'en 4-5 ans, je ne disais rien et les gens venaient. Maintenant, il faut un petit peu faire de la com pour qu'il y ait du monde. Mais peut-être, je me dis, c'est peut-être parce que ce qu'on a fait pendant 7-8 ans, c'est peut-être plus ce qu'il faut faire maintenant. Donc il faut chercher, essayer de sentir, ressentir ce que le monde a besoin. Et là, je suis en pleine recherche là-dedans. Alors on est ouvert à tout ce que pour nous dire, surtout quand c'était des critiques, tout ça, on a ouvert un cahier, tout ça, pour que les gens puissent s'exprimer, dire vraiment ce qu'ils pensent. Beaucoup de choses sont possibles, mais il faut risquer. Il n'y a rien de possible sans risque. Et on est dans un monde qui se sécurise au maximum. Il faut bien être enraciné, quoi, se sentir solide, avoir confiance en soi. Et faire confiance aussi à la vie. Faire confiance à la vie, mais ne pas provoquer, par contre. Ne jamais provoquer. Il ne faut pas dire ça, je fais ça, mais le maire, il va être emmerdé. Hein, non, je fais ça discrètement, le plus discrètement possible. Et puis, et si le maire vient, ben j'essaie de lui expliquer pourquoi je le fais, dans le sens que je donne à ce que je fais. Généralement ça marche. Moi je pense que c'est intéressant de rester, d'évoluer, et même si non seulement de s'adapter, mais de si possible de devancer. J'ai commencé par taper la maison pour pouvoir l'habiter, mais il n'était pas encore tapé, il y avait déjà des gens dedans qui arrivaient sur la route et qui me disaient « Est-ce que tu peux nous héberger ?» Et lui, je dis « Il n'y a pas de porte, ça ne fait rien, on a un toit. » Voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai trouvé d'autres gars qui passaient par là aussi, qui m'ont aidé à faire les revêtements des murs, la porte, tout ça. Et puis après, j'ai dit « Oui, mais s'il y a du monde qui vient, il faut un endroit pour un petit endroit pour être à l'abri. » Bon, c'est comme ça qu'on a commencé à faire ça, oui. Et puis il y a les premiers groupes qui sont arrivés, c'était la rencontre de silence. C'était la deuxième rencontre de silence, il y avait 300 personnes. Ici, sur le terrain, il n'y avait rien, il a fallu faire des douches, il a fallu faire des toilettes sèches, il a fallu monter une structure en bois et
et bois, et puis toile de yurt, là. On a fallu faire tout ça en 8 jours pour que les gens puissent arriver. Les premières années, c'était spontané. C'était des gens qui venaient. Moi, je ne me faisais aucun effort. Je suis très paresseux de nature. Donc, je ne faisais pas d'effort. C'est les gens qui venaient me voir, me disaient, est-ce qu'on aimerait bien faire telle ou telle animation ici? Est-ce que c'est possible d'avoir le terrain pendant tant de jours? Quelles conditions, etc. Donc, ça se passait comme ça. Moi, je ne me fatiguais pas, quoi. Oh, je participais souvent un petit peu à la com, hein. Bon, puisque quand j'allais faire des courses ou ailleurs, que je connais un petit peu quelques réseaux dans le coin, donc je diffusais quand même. Mais la plupart du temps, ce sont les animateurs qui venaient faire quelque chose ici, qui assuraient leur com. Là, depuis un an ou deux, là, depuis que Mélissa est là, ça vire, hein, on change un peu. Nous, on a... Mais Mélissa, elle a une énergie fou à dispenser. Et donc, on s'adresse aux gens, davantage aux animateurs, etc., pour un petit peu, pour faire venir du monde, pour animer davantage le lieu, quoi. On va vers autre chose, parce que moi, je fatigue, la relève, c'est important. Il y a quelqu'un de très capable ici, qui est arrivé, donc, mais qui a besoin de vivre aussi. Mais ça, moi, j'ai ma retraite, mais ça n'a pas encore de retraite, je ne sais pas si elle va l'avoir bientôt, mais... il faut trouver si elle veut lui donner la possibilité de vraiment se donner à fond sur le lieu, mais à condition, pour qu'elle ait cette possibilité, il faut qu'elle puisse vivre. Il faut qu'elle ait un petit peu d'argent dans ce monde, il en faut encore un peu. Je me sens un peu dans le brouillard. C'est pour ça que je compte beaucoup sur Mélissa et puis sur d'autres jeunes qui viennent, plein de jeunes qui viennent ici, parce que c'est eux, hein, qu'on a à venir en main. C'est eux qui vont trouver, qui vont sentir, qui vont voir les choses différemment. On n'anime plus les choses pareilles depuis de moins en moins, on anime les choses de la même façon. Et c'est tant mieux.